On va continuer avec notre journée Brésil en voyage. Alors, avant l'atelier, vous allez vous allez écouter aussi Alicia. Elle va vous parler un peu d'elle, son parcours, qu'est-ce qu'elle fait. Et seulement après, ça sera l'atelier. Ceux qui ne sont pas inscrits, mais qui aimeraient participer à l'atelier, bah, vous pouvez, on en parlera après. Voilà, je crois que son intervention, ça va pas être trop longue non plus. Alors, juste un petit mot, Alicia Cuerva, elle est artiste, illustratrice, écrivaine aussi et éditrice. Donc, elle publie des livres. Elle va vous parler un peu de son parcours et aussi de son voyage. En fait, Alicia, elle vient juste de rentrer d'un voyage d'un an en Amérique du Sud. Donc, elle a fait tous les pays d'Amérique du Sud en bus, en faisant du stop, en vélo, je ne sais pas. Mais elle va vous raconter tout ça. Bom, boa tarde, desculpa pelo atraso. Eu devo falar português ou espanhol ou francês? Ça sera moitié-moitié. Ça va être en français, hein? Direct. Un peu d'espagnol quand même. Un peu portugais, un peu français. Mais est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas du tout portugais dans la salle? Il ne faut jamais prouver ça. Mais les pauvres, après, ils vont pas pouvoir suivre. Et je ne vais pas pouvoir partager mon expérience avec eux. C'est dommage. Moi, je dirais les choses qui se prononcent en portugais, je vais vous montrer en portugais. Bon, alors là, je viens juste d'arriver de Clermont-Ferrand et j'ai découvert que Saint-Étienne n'y a que des sens interdits, des contresens. Alors, j'ai vraiment galéré parce que je suis venue en voiture. Alors, je pense que, comme la plupart, j'imagine que vous êtes étudiant, je vais faire un peu une présentation sur mon parcours atypique. De comment je suis partie de zéro pour devenir éditrice avec des livres en carton, illustratrice et en même temps écrivaine, entre guillemets, parce que je suis pas encore à ce niveau-là, je pense. Alors du coup, moi, je suis issue d'un parcours universitaire en langue et culture étrangère. Donc j'ai fait deux masters à l'université de Clermont-Ferrand, qui avant s'appelait Blaise Pascal. Et du coup, à la fin de mes études, quand j'ai terminé les masters, je me suis rendu compte qu'en fait, ce pourquoi j'avais étudié toute ma vie, c'est-à-dire pour devenir prof d'université, mettre des conférences et tout ça, ben je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas envie vraiment de faire ça. Et en allant faire un échange universitaire à Natal, au Brésil, j'ai dû aller faire des recherches sur le portugnol sauvage. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le portugnol sauvage, ici dans la salle? Oui, hombre. Bon. Vas-y. Alors, le portugnol sauvage, ou le portugnol sauvage, donc c'est une interlangue qui mélange le portugais, l'espagnol. Et alors pourquoi il est sauvage? Parce qu'il mélange également des langues autochtones d'Amérique du Sud, donc notamment le guarani, mais également n'importe quelle autre langue du monde. Alors il y a un poète qui s'appelle Douglas Diegues, donc je suis allée interviewer pour mon mémoire de master. Et en fait, lui, parfois, il met de l'allemand, du français, de l'italien au milieu de son texte. Et ça rend vraiment une littérature tout à fait incroyable. Et c'était l'objet de mes études de master. Et donc, quand je suis allée rencontrer cet homme qui est un peu fou, j'ai été piquée par le moustique cartonero, comme je dis toujours. Et donc, je suis revenue avec l'idée de faire des livres comme ça, avec des couvertures en carton. Donc, vous voyez, c'est du carton brut, comme ça. Donc, los libros cartoneros, donc ce sont des livres comme ça. Donc, à l'intérieur, ça a la tête d'un livre. Hein. Bon, c'est artisanal, mais bon. C'est quand même un livre traditionnel dedans, donc ce sont des impressions. Mais à l'extérieur, c'est du carton qu'on récupère. Donc c'est une idée qui est née en Argentine, à Buenos Aires, avec Eloisa Cartonera. Et donc ça a fait effet boule de neige, cette idée, et maintenant il y a des cartoneras dans le monde entier. Donc moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, lumière divine, c'est ma sortie de ce cours, je vais pouvoir faire autre chose que prof à l'université, et je vais essayer de le faire avec ce moyen-là. Parce qu'en plus de pouvoir éditer des textes d'autres personnes, je pouvais aussi m'auto-éditer moi, et mon rêve de petite fille, c'est de devenir illustratrice et d'écrire des choses, des histoires, etc. Donc en revenant en France... Si je peux interrompre, c'est pas mal d'être prof à l'université. Elle est quand même, faut
côté aventure, voyage et tout ça. Oui, oui, après, il en faut aussi, mais je pense que c'était pas ma vocation ultime. Je préfère faire de l'enseignement, mais comme on va faire après, à travers des livres. Bon, alors du coup, je suis revenue avec ce virus du carton et j'ai créé Cosette et la cartocyclette. Alors, Cosette et la cartocyclette, aujourd'hui, c'est mon petit atelier d'édition. Et en fait, pour ne pas faire simple et pour continuer à faire compliqué dans ma vie, j'ai décidé de créer une librairie sur mon vélo. Et en fait, j'ai l'objectif de vendre mes livres en carton, là, avec mon vélo dans la rue. Donc, quand je déplie le caisson, là, vous voyez, ça fait une table, en fait. Donc, ça fait un petit stand que je peux ouvrir dans la rue. Et du coup, je peux partager mes dessins, mes illustrations, les livres, etc. aux gens directement, au contact, vraiment, dans la rue, sur les marchés, etc. Avant de m'installer, parce que là je viens juste de rentrer, je me suis dit, mais il faut absolument que je prenne de l'expérience et que j'apprenne aux côtés des cartonneras d'Amérique du Sud. Alors du coup, je me suis dit, je vais m'en aller, je vais tout plaquer et je vais m'en aller en Amérique du Sud rencontrer les acteurs de ces maisons d'édition. Donc j'ai décidé de créer le projet Carton de Voyage. Et donc au départ, j'ai décidé de virer absolument tous mes biens matériaux et en fait pour payer mon billet d'avion à la base, parce que j'avais pas vraiment beaucoup d'argent, j'étais étudiante, j'avais plein de petits boulots à côté, donc j'ai commencé par vendre absolument tout ce que j'avais pour pouvoir payer mon billet d'avion. Donc du coup, ça c'est le début de mon roman graphique que j'ai commencé avant de partir il y a un an. Et donc bon, après je vais pas tout vous faire lire, mais si ça vous intéresse, les premières planches là, elles sont sur mon site. Donc là, c'est quand je dis au revoir à mes plantes, à ma peluche de quand j'étais petite, quand je rêvais de mon voyage, que je préparais tout ça. Après, quand j'ai dû sous-louer un appartement parce que j'avais plus de logement. Après, quand enfin j'ai réussi à payer mon billet d'avion, j'avais ma date de départ. Et après, bien sûr, j'avais plus aucun argent, donc j'ai dû me mettre au travail pour pouvoir financer mon voyage. Donc je suis allée dans le sud de la France faire les marchés de Provence. Donc j'ai construit ma cartocyclette avec beaucoup de système D, et ensuite je suis allée me réveiller à 5h du matin tous les jours pour aller avoir une place sur les marchés pour pouvoir vendre des dessins, des livres, des cartes postales, etc. pour pouvoir avoir assez d'argent pour voyager pendant un an. Alors ce qui est fabuleux avec les maisons d'édition Cartonera, c'est qu'on n'est pas des concurrents, on est des partenaires tout le temps. Bon, la plupart du temps, et ceux qui sont dans l'esprit cartonero, on va dire que moi j'apprécie. Et donc j'ai réussi à voyager pendant un an en faisant du troc avec ces maisons d'édition-là. C'est-à-dire que moi, j'allais chez les gens, les cartonneros, donc les gens qui avaient des maisons d'édition comme ça, et je leur proposais soit de peindre des couvertures, de couper, de faire des cours de reliure, etc. Et pendant un an, c'est quand même, je trouve ça assez incroyable, j'ai réussi à vivre très bien en comptant sur l'aide solidaire de ces personnes-là, de ces acteurs alternatifs du livre. Donc voilà, c'est comme ça que je suis revenue et... aujourd'hui, après avoir du coup fait des ateliers dans pas mal de pays, parce que du coup j'ai vraiment fait le tour, et là du coup il faudrait ouvrir une carte, mais ça va prendre du temps. Quand je suis arrivée en Amérique du Sud, donc j'ai commencé par la Patagonie et j'ai commencé par faire le tour des cartonneras sur la côte pacifique. Donc je suis partie de la Patagonie, donc Chili, nord de l'Argentine, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. Après je suis redescendue en Patagonie, mais cette fois du côté atlantique. Et là, j'ai refait le petit tour en passant par Buenos Aires, l'Uruguay et après le Brésil jusqu'au nord où j'ai terminé mon voyage à Salvador da Bahia où j'étais il y a seulement un mois. Et donc, ce qui est super intéressant de ce voyage, c'est qu'en plus d'avoir pu gagner beaucoup d'expérience avec les gens là-bas, puisque j'ai fait des ateliers dans des écoles alternatives, dans des bibliothèques, dans des communautés très défavorisées, dans des prisons, absolument tout, mais j'ai vu tellement de publics différents qu'aujourd'hui, je suis capable d'arriver après une heure et demie, voire deux heures de trajet, et au milieu de nulle part, parler à des gens de ce que j'ai fait. Donc je trouve ça intéressant. J'ai plus peur de rien maintenant. J'ai bravé les 4000 mètres d'altitude de la Bolivie. Enfin, j'ai fait plein de choses maintenant. C'est super. Et bon, bref, à part ça, j'ai ramené des nouveaux auteurs dans mes bagages. Et là, je suis en train de préparer le festival du carnet de voyage. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est un grand festival qui a lieu tous les ans à Clermont-Ferrand. Et en fait, c'est un peu grâce à ça que ma veine artistique s'est réveillée en 2014, parce que, du coup, est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Oui. Est-ce que vous aimez voyager? Eh bien, si vous voyagez et que vous faites des carnets de voyage, il y a une catégorie du concours qui est dédiée aux étudiants. Et donc, tous les ans, il y a un prix qui est pour les étudiants.
Donc si vous voulez postuler, il vous suffit d'envoyer votre carnet de voyage à l'université Clermont-Auvergne, maintenant ça s'appelle, et vous pouvez participer. Et si vous gagnez, bah, vous avez la chance d'exposer au rendez-vous du carnet de voyage, et c'est pas rien, parce que moi du coup, grâce à ça, bah, maintenant j'ai quand même réussi à aller beaucoup plus loin. Donc je vais vous montrer un petit extrait du carnet de voyage que j'ai fait quand j'étais à Natal. Bon, normalement il est là. On va voir si j'arrive. Voilà, ça va là, on voit. Alors du coup, donc ça c'est mon tout premier livre. En fait, c'est le carnet de voyage que j'ai réalisé quand j'étais étudiante en 2014 à l'université. Et donc dedans, je raconte absolument tout ce qui m'arrivait à l'université. Par exemple, ça c'est mon tuteur à la fac qui m'a accueilli. Donc après, moi, ce que j'aimais bien faire dans mes carnets de voyage, c'est de faire quelque chose d'interactif, c'est-à-dire que le lecteur, il doit ouvrir le livre, il n'est pas donné facilement au lecteur, quoi, le livre. Il faut que la personne, elle aille creuser dedans, elle aille fouiller. Donc en fait, voilà, donc, petite info pour ceux qui sont artistes et qui veulent faire des carnets de voyage, on a quand même le plus grand festival mondial à Clermont-Ferrand, donc si vous voulez y aller, je serai là-bas tout le week-end, et vous pouvez aussi y aller pour voir plein de carnetistes, c'est super sympa. Et il y a même des réductions pour les étudiants pour la place de l'entrée. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le carnet de voyage, hein, si vous voulez le voir, il est sur Internet. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ce festival, plus tard, j'ai eu l'opportunité de... Ah, c'est dommage, parce que du coup, tu n'as pas ramené ton exemplaire, non, du Petit Prince, moi, c'est pas grave. Moi, du coup, j'en ai plus du tout. En fait, j'ai eu l'opportunité de réillustrer un livre. Est-ce que vous reconnaissez ce dessin ? Est-ce qu'il vous rappelle un livre très 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 connu ? Le Petit Prince. Le Petit Prince, exactement. Alors en fait, une des caractéristiques de mon trait de dessin, en fait, c'est que je travaille beaucoup sur la transculturalité, c'est-à-dire que j'aime introduire un peu les cultures du monde dans mes dessins. Et alors, le problème du Petit Prince, c'est que c'est un livre qui est dans le domaine public dans le monde entier, sauf en France et aux États-Unis. Il faut encore attendre plus de 30 ans pour qu'on puisse pouvoir l'éditer. Mais ailleurs, dans le monde, il est complètement libre. Donc du coup, nous, les cartoneros, on voulait faire une version en cartonera. Et on ne pouvait pas le faire. Déjà, en France, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai dû aller au Brésil pour le faire. Et on ne pouvait pas le faire en utilisant les dessins de Saint-Exupéry. Parce que nos chers amis héritiers de Saint-Exupéry ont eu la merveilleuse idée de déposer tous les personnages comme marque de commerce. Donc aujourd'hui, le Petit Prince, c'est comme McDonald's ou c'est comme Adidas, c'est une marque. Donc on n'a plus le droit d'utiliser les images. Alors du coup, pour faire un beau pied de nez à ces gens charmants, eh ben, j'ai refait toutes les illustrations. Comme ça, on n'a plus besoin de leur demander l'avis. On peut rééditer avec des illustrations qui sont libres de droit. Elles sont sous la licence Creative Commons. Et par contre, la particularité, c'est que j'ai fait le Petit Prince, forcément, ben, brésilien. Donc le Petit Prince, il est salala. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un salala ? Oui ? Non ? C'est un ? Alors oui, c'est un type de personne qui a vraiment la peau très foncée, mais qui a les cheveux blonds, en fait. C'est le résultat du mélange avec les Hollandais dans le nord du Brésil, qui rend des personnes qui sont absolument magnifiques. Et je me suis dit, bah, mon Petit Prince, pour qu'il soit encore plus universel, au-delà de l'histoire qu'il l'est déjà, je me suis dit, bah, les dessins, ils le seront encore plus. Donc j'ai fait un Petit Prince brésilien, et j'ai refait toutes les illustrations pour les adapter au Brésil. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, et il n'a pas une épée en fait dans les mains, parce que c'est le Petit Prince, et au Brésil, la notion de roi, de prince, n'est pas vraiment très facile à imaginer pour les enfants, parce qu'il n'y a pas des grands châteaux comme ça dans le Brésil. Alors je me suis dit, comment pourrais-je dessiner un Petit Prince ? Ben, au Brésil, c'est un petit gamin de la rue qui travaille dans les champs, alors je me suis dit, je vais remplacer l'épée par une canne à sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dessin ? Il y en a un qui est pas mal. Où est-ce qu'il est ? Bah, les baobabs. Je vais vous en montrer un avant de terminer là-dessus. Ah voilà, celui-là. Lui, c'est la toute première planche que j'ai faite du bouquin. Et alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment aussi une métaphore de mon histoire personnelle, puisque je me suis un peu aussi envolée en Amérique du Sud grâce à ce Petit Prince-là, parce que c'est lui qui m'a ouvert beaucoup de portes après avoir illustré ce livre. J'ai quand même eu beaucoup d'autres opportunités pour continuer à travailler, faire de l'illustration.
Et alors, vraiment, c'est le fruit de mes voyages, ce dessin, puisque, en fait, comme vous voyez, le petit prince, normalement, il s'en va avec des oiseaux blancs dans le livre original. Et moi, je l'ai fait partir avec plein d'oiseaux complètement brésiliens, ou du moins sud-américains, puisqu'on a les araras, on a le tucano de bico et amarelo, tucano de bico verde, et on a le tuyuyu. Et le tuyuyu, et ben, c'est l'animal emblématique du Mato Grosso do Sul. Et c'est exactement là que j'ai été piquée par le moustique cartonero au tout début, quand je me suis lancée dans une vie un peu folle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Du coup, vous avez fait depuis longtemps le dessin? Pas du tout, parce que je ne peux pas vous dessiner mieux. Peut-être ici dans la salle. Ça vous a mis du temps à faire tous les dessins? Ou avant, vous avez déjà eu l'idée de faire des dessins? Alors en fait, moi, quand j'étais toute petite, je voulais être illustratrice, mais je ne le disais à personne parce que j'en avais un peu honte, puisqu'on me disait que ce n'était pas un vrai métier, que les artistes, c'était pas. Voilà. Et donc j'ai complètement laissé ça de côté et je me suis dit, moi je vais être prof, c'est plus simple, j'aurai un vrai salaire, etc. Donc j'ai un peu laissé ça de côté, mais depuis toute petite j'aimais dessiner, mais j'avais aucune technique. Donc en fait, grâce à mon tout premier carnet de voyage, c'est là en fait que j'ai appris à manier un peu l'aquarelle. Donc au début je faisais vraiment n'importe quoi, je faisais au feeling. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais regarder des tutoriels un petit peu sur internet. Donc en fait je suis autodidacte et... Quand j'ai besoin d'avoir plus de technique pour des choses précises, parce que l'aquarelle c'est un peu technique quand même, ben je regarde un tutoriel sur internet et c'est comme ça que j'ai évolué dans mon trait. Après, je me nourris de beaucoup d'autres illustrateurs hein, pour créer mon univers artistique. Donc ben, je dirais que j'ai un peu de la chance parce que j'arrive à reproduire des choses comme ça naturellement, ça sort tout seul de mon pinceau, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin, par exemple, il y a des artistes, ils ont vraiment besoin de faire le squelette, la structure des personnages, etc. Et moi, la dernière fois, on me disait, ah ben toi, en fait, tu dessines comme une imprimante, comme ça. Tu fais pas tous les traits, le millimétrage. Moi, comme ça, je saurais absolument pas faire. Donc voilà, j'ai un peu de chance, j'avoue. Vous en avez d'autres, des questions? Oui. Alors, le tout premier, là, j'ai mis, comme un bébé, 9 mois. Oui. Quel pays vous a plus de... Plus en Amérique du Sud? Ah, c'est vraiment une question difficile. je pense que le pays qui me plaît plus en Amérique du Sud, c'est le Brésil, parce que je suis franco-brésilienne, donc forcément j'ai un lien affectif très fort. Mais après, j'avoue que... Comment? Alors, moi, j'ai adoré la Colombie, malgré tout ce qu'on en dit de mal, etc. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avoue, hein, je suis arrivée par une frontière terrestre, donc j'avais vraiment peur. En plus, je suis arrivée, j'ai eu un problème à la frontière, donc je suis arrivée de nuit, et donc je suis arrivée en Colombie de nuit, toute seule, à une frontière terrestre. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, en fait, très rapidement, il y a quelqu'un qui m'a pris sous son aile, qui m'a aidée à chercher un bus, puis après une auberge, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, disons que les médias nous ont transmis une image de la Colombie des années où l'empire des narcotrafiquants régnait encore. Et ils n'ont pas évolué depuis, en fait. On croit toujours que là-bas, c'est la guerre, il y a des coups de feu dans tous les sens. Mais finalement, moi, j'ai rien vu de tout ça. Et je trouve que... Dans n'importe quelle capitale latino-américaine, c'est hyper dangereux. Dans toutes. Que ce soit le Chili, la Colombie, le Brésil, elles sont toutes hyper dangereuses. Donc après, il suffit d'écouter les Colombiens et, comme ils disent là-bas, no dar papaya, ça veut dire ne pas donner des papayes, ça veut dire, en gros, rester sobre et simple dans la rue pour ne pas, en gros, tenter le diable. C'est un peu malheureux de vivre comme ça, mais bon, c'est la réalité quotidienne de tous les gens là-bas. Donc moi, je me suis habituée à ça. Et en un an, je me suis rien fait voler. Au contraire, on n'a pas arrêté de me donner des choses. Et voilà. Donc, c'est cool. Oui. Alors, j'entends pas. Ah, ça veut dire en Havaiana, sans claquette tout à fait simple, en short, un débardeur type comme ça, sans absolument rien. Et puis, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage, pas de... rien. J'étais, rien du tout. Bah après, on peut par exemple mettre des oreilles, etc. Mais j'avais tellement pas envie qu'on me remarque dans la rue, parce que alors déjà, avec ma tête en Amérique du Sud,
on me remarque sans que je le veuille. Donc, alors si en plus de ça, je mets des boucles avec du maquillage et compagnie, là, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est ça, Noda le papaya. Oui ? Au niveau de la Patagonie, c'est une merde de cette région de l'Amérique du Sud. Alors, la Patagonie, c'est des lignes droites. Et puis des montagnes, des paysages de folie, des randonnées extraordinaires à travers des montagnes sublimes. Et après, je pense qu'un de mes souvenirs les plus frappants de la Patagonie, c'est le stop. Parce qu'en fait, je crois que faire la Patagonie en stop, c'est la richesse du voyage en Patagonie. Parce qu'on se retrouve des fois à 18h du soir, en faisant du stop, on nous dépose au milieu d'un champ, à un croisement, parce que voilà, il y avait un camionneur qui allait de ce côté, il n'allait pas vers notre sens, et on est là à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dormir avec les pumas ce soir. Et puis au bout d'un moment, il y a une lumière divine qui apparaît, et puis il y a un trait, comment on appelle ça, un break là, les camionnettes avec, qui sont ouvertes derrière. Puis il y a quelqu'un qui apparaît, et puis ils vous disent, allez, sautez derrière. Et puis après, on va derrière avec la poussière. Voilà, c'est toute une aventure de faire du stop en Patagonie. Faire de feu, ça fait rêver quand même. Vous avez, bah oui, mais vraiment. Après, au niveau du budget, si vous ne faites pas en stop, c'est hors de prix. En moto peut-être. Oui, voilà. Alors vraiment, là-bas, il y a beaucoup de cyclistes et de motards. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon moyen de le faire. Moi, je recommande de faire la Patagonie soit en stop, soit en vélo, en vélo plutôt, pas en moto. D'autres questions? Oui. Des mauvaises expériences pendant votre voyage ? Oui, j'en ai eu. Alors, je pense que la plus mauvaise expérience, c'est les amibes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des parasites intestinaux. Alors ça, c'est la pire chose qui m'est arrivée au niveau de la santé. En fait, forcément, quand on passe en Bolivie et qu'on vient d'Europe, on n'est pas habitué à boire de l'eau, à boire leur eau, à manger certains aliments. Et du coup, en fait, quand on va dans les marchés là-bas, on est hyper tenté de goûter hein, ce qu'il y a, et surtout les jus, parce qu'il y a plein de fruits, etc. Donc en fait, on se dit, oh, bah, c'est un jus, c'est pas grave. Et en fait, ils mélangent avec leur eau locale, donc forcément, c'est dangereux. Et je vous déconseille, si vous allez en Bolivie, de boire du jus de fraise, parce que c'est les fraises qui véhiculent énormément d'amibes. Et je pense bien que c'est un jus de fraise qui m'a fait tomber malade. Et pendant au moins 3 mois, j'ai fondu. Parce qu'en fait, je ne suis pas allée me faire soigner. J'étais tellement à fond dans mon voyage. Je continuais, je voulais visiter des choses et tout. Jusqu'à ce qu'en Équateur, donc c'était vraiment longtemps après, je me suis effondrée dans une auberge. Et heureusement, la mère du propriétaire de l'auberge était médecin. Elle est venue me voir et elle m'a amenée direct à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien. Donc je pense que c'est la seule chose hyper mauvaise qui me soit arrivée, c'est les amibes. À part ça, j'ai vraiment que des super bons souvenirs. Après, il y a aussi un petit détail, c'est le fait d'être brésilienne en voyageant, parce que moi j'ai voyagé avec mon passeport brésilien, ça m'a fait que des problèmes au niveau du passage des frontières entre le Pérou et la Colombie. Parce que j'étais brésilienne, j'ai vraiment eu des soucis parce qu'il fallait que j'aie le vaccin, la fièvre jaune et compagnie. Et alors c'est cette fois-là où je me suis retrouvée à 6h du soir dans une frontière à pleurer devant la douane là, pour qu'ils me laissent passer parce que sinon j'allais dormir je sais pas où. Mais bon, finalement, c'est des histoires marrantes à raconter après. Mais sur le coup, j'avoue que ça fait un peu peur, surtout quand on voyage seul. Et d'autres questions ? De tous les ateliers que tu as fait, ouais. Tout à l'heure, tu avais dit que tu avais travaillé dans les écoles alternatives, dans des ouais. prisons. Et vu que tu as fait des ateliers partout en Amérique du Sud, mm-hmm. quels sont les ateliers, les rencontres que tu as eues qui t'ont plus marqué ? Alors, je pense que c'est deux moments très très forts. Le premier, c'est quand je suis allée en Colombie, à Medellín, dans une école alternative. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai repris confiance dans l'éducation, parce que j'avoue que ça m'a un petit peu dégoûté tout le système éducatif français. Désolée, hein. Et du coup, ben, je suis allée... Comment ? Je suis là-dedans, je sais ce que c'est. Voilà, voilà. Et moi, ça m'a vraiment effrayée. Bon, bref. Et en fait, j'étais dégoûtée du système éducatif. Et en fait, je suis allée dans une école alternative, où tout est basé sur le respect et l'amour des proches, en fait. Et c'est la première fois que je voyais des enfants aussi épanouis dans une école. Donc c'est une école où il n'y a pas de table, il n'y a pas de tableau,
Les enfants peuvent aller n'importe où à n'importe quelle heure, ils apprennent tous à leur rythme. En fait, ils n'ont pas de leçons comme ça, la maîtresse sur un podium à expliquer les choses. En fait, les professeurs cultivent la curiosité des enfants, et naturellement, les enfants sont curieux, donc naturellement, ils vont demander à apprendre des choses. Et donc, du coup, bah, j'ai fait un atelier pour ces enfants-là, et j'étais vraiment frappée parce qu'il y avait des enfants qui étaient très très jeunes, et ils sont venus vers moi, ils devaient avoir peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Ils sont venus vers moi vers la fin de l'atelier, et ils avaient une conscience impressionnante, ils m'ont dit... Mais merci d'être venu aussi loin pour nous faire cet atelier. C'est quand même fou, un enfant aussi petit. Et vraiment, ils ont ce sens-là du remerciement et de... Ben, je pense que c'est juste de l'amour, quoi. Les profs, elles respectent les enfants, elles les prennent dans les bras quand ils vont pas bien. Et du coup, les enfants, ils n'ont pas une crainte qu'on a, nous, chez nous, envers le professeur, qui est toujours quelqu'un à craindre. Donc ça, c'est une expérience très très forte de me dire, waouh, il y a des systèmes d'éducation qui valent le coup et qui sont en fonctionnement, donc ça c'est vraiment super. Et après, l'autre atelier qui m'a beaucoup marqué, c'est à São Paulo, où je suis allée dans la favela Brasilândia, et du coup donc, j'ai fait un atelier pour des enfants très très défavorisés, et il y avait une petite fille au début de l'atelier qui est arrivée, donc c'était vraiment dans un endroit très très précaire. Donc les enfants, ils étaient dans des états vraiment très 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 précaires. Et une petite fille qui arrivait, elle était toute, elle voulait pas montrer son visage, donc elle avait une capuche, elle était comme ça, elle voulait pas me regarder dans les yeux. Et donc moi je l'ai traitée comme n'importe quel enfant, je lui ai dit de s'installer, j'ai commencé à expliquer par petits groupes, etc. Et en fait, la petite fille, elle s'est rendue compte que je la traitais comme n'importe quel autre petit enfant. Donc petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Donc elle a enlevé sa capuche et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était daltonienne. Non. Non. Oui, c'est ça. Albine, c'est ça. Donc quand t'es albine, mais elle était noire d'origine. Hein. Donc du coup, alors là, je ne sais pas si vous connaissez le sort des enfants en Afrique qui sont albins, on dit. Albinos. Pardon, des fois je parle un peu mal français. Ils sont utilisés pour faire de la sorcellerie, etc. Donc, et au Brésil, c'est pareil. Hein. Enfin, y a vraiment un problème avec ces personnes-là. Et donc, cette petite fille, elle a commencé à s'ouvrir dans l'atelier et à me parler et à être en confiance. Et c'est là que je me suis rendu compte, pour répondre à ta question, du pouvoir de ces ateliers, où on fait plus qu'un simple livre, où bah, certes, les enfants sont partis avec leur petit livre, etc. Mais on crée un espace où les enfants ont une attention très particulière et à travers tout le côté artistique, artisanal, le travail avec les mains, ben les enfants ils ont l'opportunité d'avoir un petit moment où ben ils ont confiance en eux parce que c'est tellement facile ce qu'on leur demande de faire qu'ils y arrivent super bien et ils repartent avec un sourire et une joie qui n'a vraiment pas de prix. Et donc cette petite fille, elle m'a vraiment beaucoup marquée parce que je me suis rendu compte du pouvoir de ces ateliers avec cet enfant-là qui vraiment, j'ai vu son évolution en une heure d'atelier parce qu'elle est arrivée, elle ne voulait pas me regarder, elle était toute, elle se cachait et à la fin, elle me prenait dans ses bras, elle ne voulait pas me laisser partir. Donc je trouve ça vraiment touchant de savoir qu'avec des simples livres comme ça en carton, on peut éveiller des enfants de cette façon-là et pas que des enfants parce que j'ai fait avec plein d'adultes, donc ça marche pour tous les âges. Il y a d'autres questions ? Il a été le premier livre Cartonero. Oui. Vous avez compris ce que c'est un livre Cartonero. Pourquoi on dit Cartonero? Carton et. Je ne sais pas si elle peut expliquer après. Cartonero. Oui, alors oui, c'est vrai que je ne me suis pas trop étalée sur cette question-là. Donc, Cartonero en espagnol, ça désigne les personnes dont le métier est d'aller dans la rue pour récupérer le carton pour ensuite le vendre à des entreprises de recyclage. Donc cartonero, cartonera quand c'est une femme, et au Brésil on dit catador ou catadora. Le mouvement éditorial est né de la crise argentine des années 2000, et donc il y a eu vraiment un problème économique au niveau national, et ça a fait qu'il y a eu une explosion de personnes qui sont sorties dans la rue pour s'en sortir. Comme ils n'avaient plus de boulot, leur seule option c'est d'aller ramasser de la poubelle et le revendre à des entreprises de recyclage. Et du coup, ben, c'est à partir de là que deux personnes ont eu l'idée de racheter ce carton plus cher pour donner de meilleures conditions de vie à ces personnes-là, pour le transformer en couverture de livre. Parce qu'en plus de ça, à cette période-là,
fabriquer et acheter des livres, c'était très très cher. Donc du coup, ils ont trouvé une solution pour ces deux problèmes, bien sûr à leur échelle. Hein. Ils n'ont pas pu acheter tout le carton de l'Argentique, mais à leur petite échelle de fourmis, bah, ils ont fait leur part de colibri, comme dirait Pierre Rabhi. Il a été le premier livre cartonné rond que tu as eu dans les mains. T'as lu ou t'as pris C'est dur de me demander ça comme question. Alors, c'est le livre de Douglas. Ça doit être Triple Frontera Dreams. Et c'est Amandine qui me l'avait prêté pour me dire « Ah tiens, il y a un fou là-bas qui devrait aller voir. » Et du coup, ben, je suis allée le voir et je suis devenue folle. Donc je pense que c'est lui. Et après, le premier livre cartonnero que j'ai édité, ben, c'est mon carnet de voyage. Et ça, j'en suis bien contente. Et bah, justement, pour les carnets de voyage, oui. Bah, un carnet de voyage, c'est unique. Oui. Ah, si je fais un carnet de voyage avec des billets de train, des bus, de photos et tout, c'est mon carnet de voyage. Donc comment tu fais pour le reproduire après? Alors, ben, moi déjà, j'avais écrit ce texte en imaginant qu'il allait être lu par d'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui font des carnets de voyage très très intimes, donc ils n'ont pas forcément envie de partager les textes, mais moi, dès le départ, je savais que je voulais le partager. Mais du coup, nous, comment on a fait pour mon carnet, c'est que moi, j'ai scanné mon carnet, j'ai scanné les planches, et après, donc, on les a mis dans un logiciel de graphisme, on a un petit peu retouché, pour ajouter des fonds perdus sur les côtés, et en fait, là vient la folie, c'est que comme moi, j'avais collé plein de photos, des billets de je sais pas quoi, des morceaux de papier déchirés dans le carnet de voyage, nous, pour vraiment donner un carnet authentique au niveau éditorial, on a réimprimé à part tous les petits billets, toutes les photos, les trucs à plier, on les a imprimés à part, et on les a recollés un par un dans les carnets, donc du coup, c'est comme ça qu'on a... On a eu un résultat quand même assez intéressant. Mais j'avoue que là, ce matin, j'étais en train de recoller des photos dans un carnet de voyage que je vais sortir là. Et j'avoue que c'est quand même un travail de dingue. Hein. Parce qu'on avait, on avait une table à tapisser avec tous les carnets collés. Donc on ouvre une page. Donc il y en a un qui colle avec le scotch, il y en a un qui colle les photos, il y en a un qui tourne les pages. Donc c'est vraiment du travail artisanal. En plus, c'est quand même des vraies photos. Je l'ai vu sur ton Facebook. Tu fais imprimer des vraies photos. Ah oui. Ben, en fait, j'avais l'option d'imprimer les photos avec de l'impression numérique en laser, mais je trouve que le rendu n'est pas le même. Donc, j'ai pris le parti là pour ce livre photo de vraiment recoller une par une les photos dans l'album, et le résultat est complètement différent. Donc, j'en suis bien contente. Mais c'est un travail monstrueux. Hein. C'est vraiment beaucoup de travail. Et